Bon mardi. Est-ce que tu as écrit la date ce matin? Oui? Alors, la phrase ce matin qu'on va écrire, tu aimes regarder la télévision le soir. Est-ce que tu aimes ça? Moi, j'aime ça, écouter un film le soir. Premier mot, tu. Oublie pas ta majuscule, hein? Début de la phrase. Mets ton doigt. Deuxième mot, M. M. A-I. M-E. Mais attention! Là, j'aime. A-I-M-E. Tu aimes. Ça prend un S à la fin. Parce que on veut savoir si c'est tu ou je. Alors, on a décidé de mettre un S quand c'est tu, puis pas de S quand c'est je. Donc, tu aimes. A-I-M-E-S. Troisième mot. Regardez. Regardez. Re. R-E. Gare. G-A-R. D. D-E-R. Mais là, écoute bien pourquoi c'est un E-R dans regarder. Est-ce que tu te rappelles mon truc de mordu mordu? Si je peux remplacer par mordre, c'est E-R. Si je peux remplacer par mordu, c'est E accent aigu. Alors, tu aimes regarder. Est-ce qu'on peut remplacer par tu aimes mordre ou tu aimes mordu? Ah, tu as dit mordre. Tu as raison. C'est pour ça que regarder termine par ER et non par E accent aigu. Tu aimes regarder. Prochain mot. La. La. Prochain mot. Télévision. T. Lé! Vi! Il manque une balle. Zion! Alors, télévision, quatre syllabes. On va commencer avec la première. T, 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 avec le E, avec l'accent. T, deuxième syllabe. Lé, L, avec le E, avec l'accent. Troisième syllabe. Vi. V, I, I. Quatrième syllabe. Le son ion s'écrit ION, ion. Mais là, ça fait télévision. SION. T, les, vision. Est-ce que tu as fini d'écrire le mot? Sinon, recule, écoute-moi encore. Prochain mot. Le, L, E. Dernier mot de la phrase, soir. Soi. Tu te rappelles comment écrire oi? S-O-I-R. Soir. Point. Lis ta phrase. Écoute, qu'est-ce que je dis? Assure-toi que tous les mots sont là. Tu aimes regarder la télévision le soir. Point majuscule. Est-ce que tu les as mis? Et maintenant, je te montre ta phrase. Puis, est-ce que tu as réussi à l'écrire? Dis-moi-les. Bonne fin de journée. Bye bye.